Se promener dans la rue, s'installer en terrasse et même courir sur les bords de plage. Depuis son déconfinement fin avril, le Liban semblait reprendre vie. Jusque-là peu touché par l'épidémie, avec 26 décès et moins de 900 cas confirmés, le pays fait face à un regain de contamination depuis quelques jours. Conséquence, le gouvernement a décidé d'un reconfinement. Le Conseil des ministres a décidé la fermeture totale du pays durant 4 jours, de 19h ce mercredi à 5h du matin lundi. Cela exclut les hôpitaux, les établissements de santé, ainsi que les secteurs alimentaires, agricoles et industriels. Parmi les mesures annoncées, un couvre-feu de 18h à 5h du matin et une circulation alternée des véhicules, plaque paire et plaque impaire un jour sur deux, pas de circulation le dimanche. Des mesures plutôt bien accueillies par certains Libanais. On ne comprend pas bien si c'est pour ou contre les Libanais, mais bien sûr, je suis pour le reconfinement. C'est pour la bonne cause, pour qu'on se débarrasse de cette épidémie. Cette épidémie de coronavirus fragilise un pays déjà touché par une crise économique sans précédent.